Bonjour les poillettes, bonjour les poillons et tout ce qui va avec. J'espère que vous allez bien et que le week-end il est tip top. Vous avez vu? Et ouais, quand on est supporter d'une marque de voiture depuis presque 20 ans, avec malheureusement ce qui se passe avec le pilote incontesté qui a fait un grave accident au sport d'hiver, au motosoutien. Voilà, vous allez peut-être me dire aujourd'hui Ferrari ne fait plus les scores qu'il faisait avant, mais on est supporter ou on ne l'est pas. Donc, ça ne changerait pour moi, Ferrari, ça reste Ferrari. Mais je ne voulais pas venir là-dessus, je voulais vous parler des antibiotiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on donne des antibiotiques pour tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai fait la grippe il y a un peu près une semaine. On m'a donné des antibiotiques. Extra, hein? Ah ouais, génial les antibiotiques. Ça vous soigne et tout et tout et tout. Seulement, le problème, vous perdez l'appétit. Vous ne savez plus aller faire caca parce que vous êtes constipé. Vous arrachez la planche pour pouvoir essayer de faire une bille. Ça fait ploup. Et vous avez tout l'intérieur qui est détraqué. C'est une vraie saloperie, les antibiotiques, en fait. Oui, on les donne pour les cas de surinfection. Mais c'est une saloperie. Il ne faut pas prendre les antibiotiques. C'est pas beau, ça. C'est vraiment pas beau, les antibiotiques. Il faut vraiment les prendre en cas d'extrême urgence. Alors, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent des antibiotiques quand vous êtes sous la grippe. Et enfin, ça ne sert à rien, parce que l'antibiotique n'agit pas contre la grippe. Il agit contre la surinfection. Mais ce qui se passe, c'est que l'antibiotique, il tue votre système immunitaire. Et ouais, et là, vous surinfectez. Mais, faut jeter ça, faut jeter. C'est comme quand on a mal la gorge. On prend des sprays. Il y a un moyen beaucoup plus naturel que les sprays, les pastilles et tout ce qui s'ensuit pour le mal de gorge, hein? Et pas vous faire un dessin, hein? Vous m'avez compris. Mais non, je ne pense pas qu'à ça. Mon feu. Les bonbons et les poillons, je ne pense pas qu'à ça. Mais c'est un moyen naturel. Et oui. En plus, ça fait du bien. Ben, pour ceux qui aiment bien, parce que tout le monde ne peut pas aimer. On va comme me dire, Baraki, tu ne penses qu'à ça. Mais quoi? Et on fait ce qu'on peut dans la vie, hein? C'est ce qu'on peut, hein? Alors, il y a toutes sortes de choses ainsi qui sont naturelles. Hein? Qui sont naturelles. C'est comme quand vous avez le nez bouché. Pourquoi vous mettre des trucs dans le nez alors que vous avez le nez bouché? Vous demandez à votre bonbonne qu'elle lâche un gros pet bien puant. Respirez à plein poumon, je vous assure, c'est décapant, c'est nettoyé. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu, il y a des moyens naturels comme ça pour pouvoir s'auto-guérir, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des médicaments qui coûtent bien cher et qui vous foutent votre système les quatre pattes en l'air. Hein. Alors, les poillons et les poillettes, quand vous tomberez encore malade, vous penserez à moi, hein, aux petites astuces ainsi qui sont naturelles, qui peuvent faire du bien et qui surtout ne vous détruit pas votre système immunitaire. Sur ce, la noblesse de Baraki de Liège vous salue, vous fait un immense bisou. Je vous dis à la prochaine et un excellent week-end avec tout ce qui va avec.